santé à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour exécuter quelque chose que je vous avais promis, c'est-à-dire que la dernière fois je vous avais fait une revue sur cette superbe palette Naked Smoky de chez Urban Decay et je vous avais fait un maquillage dans les tons froids et je vous avais demandé si vous souhaitiez que je vous fasse un maquillage dans les tons chauds. Et vu que vous êtes deux ou trois à m'avoir dit que ça vous ferait plaisir de voir un maquillage dans les tons chauds de ma part avec cette palette, eh bien j'exécute aujourd'hui vos souhaits et je réalise un maquillage avec les teintes qui sont de ce côté-là et qui sont davantage plus chaudes que les teintes qu'on peut voir de ce côté que j'avais utilisé la dernière fois. Donc j'ai dû tourner cette vidéo sans parler parce que mon chouchou qui est à côté de moi, il faisait des E, des RE, mais vraiment sans s'arrêter. Et je pense qu'on peut trouver ça mignon au début de la vidéo comme on peut trouver ça très chiant, je pense, au bout de 15 minutes. Donc dans cette vidéo, je ne parle pas, je vous montre en image ce que je fais. J'ai essayé d'être le plus précise possible dans ce que je filme et je vais vous dire un petit peu à la fin de cette vidéo pourquoi j'ai utilisé telle et telle chose. Donc si le maquillage que je porte ici et si les photos que vous voyez sur le blog vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo.
erreur de maquillage qui m'a bouffé du pinceau, hein, parce que quand on veut estomper avec des pinceaux propres par exemple et réappliquer une couleur bien différente, et bien j'ai à chaque fois utilisé un pinceau propre, donc du coup oui, ça m'a bouffé du pinceau. Quand on compare ce maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui et le maquillage que je vous ai présenté la dernière fois, on voit vraiment la diversité de choses qu'on peut faire avec cette même palette. Pourquoi ? Parce que ils ont rien en commun ces maquillages, et du coup comme le maquillage d'aujourd'hui est dans les tons chauds, et bien j'ai dû faire mon teint différemment pour qu'il soit en harmonie avec le maquillage des yeux. La dernière fois, comme j'avais utilisé des tons froids sur les yeux, que c'était un maquillage de soirée, je voulais un teint, comme je vous avais dit, un peu blanche-neige. J'avais fait des joues un peu rosées, des lèvres un peu rosées, alors que là j'ai des joues un peu plus corail et des lèvres corail. Et bien sûr, j'ai mis du bronzer parce que le doré en période automne-hiver, eh bien ça peut un peu fatiguer le regard si le teint est complètement blafard. C'est pourquoi j'ai appliqué du bronzer pour avoir un teint aussi doré que les yeux. Alors pas aussi doré que les yeux, mais un teint hâlé. Je vous ai montré de près les fards que j'ai utilisés. J'ai donc utilisé plein de fards en fait. J'ai d'abord appliqué le fard de transition en appliquant ce fard Combust, qui est juste une teinte au-dessus ma carnation en fait, donc je trouvais ça très intéressant de l'utiliser en fard de transition. J'ai utilisé ensuite le fard doré sur toute la paupière mobile. Ces fards sont un régal à travailler, comme je vous disais la dernière fois, c'est du beurre, et du coup ils accrochent hyper bien la paupière mobile, et le pinceau 239 de chez MAC, qui est mon pinceau plat préféré, eh bien c'est un régal pour appliquer ce genre de fard. Ça accroche tout de suite. J'en ai réappliqué parce que la force d'estomper, eh bien, on enlève de la poudre et du coup on a moins d'intensité qu'au départ. J'en ai réappliqué, mais franchement j'étais presque pas obligée parce que les fards sont très pigmentés et s'accrochent très bien à la paupière. Donc je vous disais, j'avais appliqué le fard Dirty Sweet doré sur la paupière mobile, et en coin externe de la paupière mobile j'ai appliqué le fard Radar. Donc j'ai choisi encore d'utiliser ces bavoirs de fards à paupières, qui sont des trucs avec lesquels j'ai l'air ridicule quand je les applique, mais au moins mon teint reste nickel. Je suis très contente que toutes ces chutes de fards à paupières ne soient pas sur mes joues. Et en coin interne, j'ai mélangé le fard champagne ici et le fard doré pour pas avoir quelque chose de trop froid, de trop champagne, mais un petit mélange des deux, et que ça fasse un peu dégradé et pas trop sévère comme transition entre le coin interne et le fard doré que j'avais mis. Vu que porter des fards dorés à cette saison où on n'a plus le hâle qu'on a l'été, etc., eh bien j'ai trouvé ça intéressant de mélanger quand même avec des tons froids. C'est pourquoi j'ai mélangé les fards gris armor et gris bleu slanted en coin interne et en creux de paupière, parce que voilà, je trouve ça intéressant de ne pas seulement mettre que des fards dorés, mais de faire un contraste chaud et froid, ce qui rend le doré beaucoup plus portable en cette saison. Et j'ai utilisé ce fard matte whisky en creux de paupière, qui est un marron, tout ce qu'il y a de plus basique, mais qui est très bien pour creuser l'œil. Et j'ai fait un petit trait de liner pour intensifier ma ligne de cils, et j'ai appliqué le fard noir Black Market avec un pinceau biseauté. Le but n'était pas de faire une virgule, mais plutôt d'intensifier ma ligne de cils, donc voilà. Aussi, chose que j'ai faite, c'est que j'ai pas appliqué le même fond de teint que la dernière fois. Le fond de teint Je Mets Maybelline que j'ai appliqué la dernière fois, il est un peu plus rosé, et du coup pour toujours dans cet esprit d'avoir des tons chauds aussi bien sur le teint que sur les yeux, et eh bien j'ai appliqué mon fond de teint. J'utilise la teinte 3, qui est une teinte dorée chez Urban Decay, et voilà, donc c'était beaucoup plus approprié pour utiliser avec ce genre de fard à paupières que d'utiliser ce fond de teint. Ensuite, donc le bronzer, comme je vous disais, était inévitable, et j'ai utilisé le Dior Skin Nude Tan en teinte numéro 3 Zenith, qui est un bronzer avec des micro-particules satinées, irisées, et du coup c'est un bronzer qui va être très lumineux, et j'aime beaucoup. J'avais pas envie du tout d'appliquer du blush rose, mais plutôt un blush chaud, et j'ai choisi le Baby Doll Kiss and Blush de chez Yves Saint Laurent. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo favori, c'est le numéro 13, et comme vous avez vu la dernière fois dans ma vidéo favori, je vous ai présenté qu'on pouvait l'appliquer avec le Stippling Brush de chez Real Techniques, mais au Beauty Blender avec une éponge comme cela, eh bien ça s'applique très facilement et ça s'estompe aussi très facilement
Ensuite, je voulais pas un rouge à lèvres trop corail, trop pop, parce que c'est quelque chose que je préfère porter durant l'été, les couleurs pop. Mais je voulais quelque chose quand même qui tire plus vers le corail que vers le rose. Bien que le corail c'est rose, mais c'est entre le rose et le orangé. Donc je voulais quelque chose qui tire plus vers le pêche, on va dire. Et j'ai choisi le rouge coco numéro 35, c'est la couleur Chintz. Je ne sais pas s'il existe encore parce que Chanel avait sorti plein de nouvelles teintes de rouge à lèvres. Toujours est-il que si je le trouve, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Mais sachez que c'est la teinte Chintz numéro 35 et je l'avais déjà utilisée. Ça fait un moment que je l'ai ce rouge à lèvres. Et j'adore le ressortir en automne quand je veux porter un nude. Un nude un peu pêche comme cela, il est magnifique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les détails que j'ai pu vous apporter de vive voix après le tutoriel vous ont aidé, parce que à mon avis c'était important d'expliquer pourquoi j'ai utilisé ces blushs, ces bronzers et ce fond de teint, parce que voilà, le maquillage de tout le visage c'est un tout, les choses doivent s'imbriquer, les choses doivent aller ensemble à mon sens. Toujours est-il que je sais que je suis pas maquilleuse professionnelle, vous verrez pas des maquillages à la Lisa Eldridge sur ma chaîne, j'ai pas du tout cette prétention là. À force d'utiliser plein de choses, moi je sais juste ce que j'aime pas, ce qui est bien et ce qui est pas bien à mon goût. Encore une fois, tous les avis que je dis ici n'engagent que moi, ce ne sont pas des avis de maquilleuse professionnelle, mais des avis d'une consommatrice lambda parmi le commun des mortels. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !